Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live de l'Epicness sur Final Fantasy VII. Et on va continuer notre délicieuse partie sur ce jeu magnifique. Voilà, admirez ma voix de diva, magnifique sur la musique du Haut Vent. The High Wind, pour ceux qui souhaitent retrouver la musique sur le net. Voilà, et moi je pense, là actuellement on a vachement bien avancé. Et comme on vient de se défoncer le cul sur une arme, je pense que ça serait pas une mauvaise idée qu'on aille faire des emplettes, voilà, qu'on aille faire du shopping, qu'on aille s'amuser, ce genre de conneries. Parce que voilà, parce que là c'est bon, hein. Sauver la planète ça va 5 minutes, mais honnêtement, il y a moyen aussi de s'amuser. Et pour ça, je vais... Ah bah c'est vrai, il y a lui aussi. Ça va être rigolo. Enfin bref, voilà, j'étais parti en fait chercher mon chocobo. Voilà. Merci, hop, on repart. Et on va aller dans le seul endroit de la Terre où on peut bien se marrer. On peut s'amuser un minimum. Et oui, je fais des trucs rigolos avec mon vent parce que je kiffe, voilà. C'est comme ça, c'est la vie, merci. Hop. Je prends mon chocobo uniquement pour le prendre, hein. C'est même pas pour me déplacer avec parce que... Et oui, bah pousse-toi de ma route, merci. Merde, c'était... Si, c'est par là, voilà. Ouh, j'ai du mal à me remettre dedans. Voilà, et donc vous avez deviné qu'on va bien sûr au Gold Saucer, hein, parce que sinon on prendrait pas l'aérotram. Oui, parce que là on a des... C'est pas un tram tout court, c'est un aérotram. Dans tous les cas, on avait déjà dépensé notre fric pour s'acheter une carte de membre gold. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se faire chier à payer l'entrée à chaque fois. Eh, amusez-vous bien! Merci! Toc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aussi au chocobo? Ouais, on va aller au chocobo. On va aller se faire quelques courses de chocobo. Eh, ça fait longtemps, que s'est-il passé? Il se passe beaucoup de choses dans le monde extérieur. Ça a été un peu triste ici, mais on ne peut pas empêcher un jockey de faire ce qu'il veut. Alors, que veux-tu faire? Tu veux rejouer? Tu possèdes ton propre chocobo, n'est-ce pas? Eh bah ouais, laisse-moi m'inscrire. Bah pour lequel? Bah de toute façon j'en ai qu'un, j'ai pas trop le choix. Salut Toutoun! Allez, j'inscrirai ce chocobo de catégorie C. Ouais! Que préfères-tu, la longue ou la petite course? On va commencer par la petite course, après on se fait la longue. Ouais, mais les jockeys ne peuvent pas acheter de tickets. Si tu gagnes, tu remporteras un ticket d'objet. Alors fais de ton mieux. Youpi! Wouhou! Super! On est tellement mal classé. Ah, par contre, on a de la résistance. Oh, oh, on a plus de résistance que tout le monde. Ça peut être un bon avantage. Très bien. On va passer en manuel, bien sûr. Non, 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 non. Arrête de faire n'importe quoi. Aïe, stupide. Arrête. C'est incontrôlable. Oui, donc voilà ce qui se passe en fait quand on n'entraîne pas les chocobos, ils sont juste débiles et incontrôlables. Ah bah... Oui, non mais... Oh là là. C'est mal barré, hein. Puis je me souviens plus du tout comment on pilote ça. Ah ça va mal finir. Mais forcément, il arrête pas de
partir dans tous les sens. Arrête de foncer comme un... Enfin, voilà. Voilà ce qui se passe quand on n'entraîne pas un chocobo. Il fait n'importe quoi. Et puis, je contrôle rien. Ouais, bah ça va, ça va. Tu vois, on se détend après une... Après ce combat contre l'arme. Non, j'en reviens pas. Je double quelqu'un en marchant. Je double quelqu'un en marchant. Mon Dieu. Je le laisse en mode automatique. De toute façon, j'ai plus rien à toucher là actuellement. Non, mais je suis en train de le doubler réellement. Je suis réellement en train de le doubler. Mon Dieu. Ce n'est pas normal, messieurs, dames. Ce n'est pas normal. Je suis en train de faire la course avec un chocobo qui est à moitié naze. Regardez cette course de l'extrême. Regardez-moi ça. Bon, c'est clair qu'on va pas gagner, mais peut-être qu'on va pas finir dernier. Il est possible qu'on finisse pas dernier. Ça reste optimiste, hein, mais... moitié de trajet, il était déjà HS. Oui. Oui, on finit quatrième. Mon Dieu. Ah, c'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Oh mon Dieu. Ah là là là. Bah oui, j'ai perdu, et c'est logique, hein. Bon, et comment on... Ah ouais, voilà, dis-moi comment contrôler. Ah, oh, tu as oublié. Oui, bah oui, j'ai oublié, j'ai zappé depuis le temps que je suis pas allé au Gold Saucer. Tu te fous de moi? Non, c'était dans les... Non, c'était des 1. Alors tout d'abord, utilise à tous ces decks, blablabla. En d'autres termes, tu peux contrôler le chocobo ou le laisser faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas facile de les faire courir comme on veut. Si tu n'es pas correct avec le chocobo, il vient te... Bon, machin... Grand... La plupart des chocobos ils donnent sur le site, toujours franchement, blablabla. Carré pour accélérer et croix pour ralentir. Ah oui, je faisais le contraire, donc forcément. Ouais, faut utiliser les touches directionnelles. Allez, on retente le coup. Et puis c'est la dernière. Ouais. Et on va faire la course longue. Allez, la longue. Comme ça, on aura vu les deux circuits. C'est parfait. Allez, on va descendre. Non, 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 non. Je suis en train de descendre ta vitesse. Voilà, c'est mieux. Il fait n'importe quoi! Tu fais n'importe quoi, arrête de foncer comme un taré. Non, Mario. Ah, il est malade. Et je vous jure que j'appuie sur rien. J'appuie juste sur croix depuis tout à l'heure. Non, arrête de foncer comme un taré. Non. Oh mon Dieu. N'importe quoi. Je contrôle rien. Je ne contrôle rien. Ah bah forcément je suis premier. Il a pas arrêté d'accélérer comme un con. Voilà, maintenant on n'a plus rien, hein. Donc on va le laisser terminer sa course, tranquillement. Voilà, je ne touche plus à la manette. Là, pour être sûr, je le remets en mode automatique. Ça ne veut rien dire, cette course. Mon Dieu, est-ce que je suis en train de gagner, par exemple ? Ça serait tellement débile. Oui, au quart de la course, HS. Bravo. Fantastique. Oh mon Dieu.
Mais j'ai conservé mon avance, hein, quand même. C'est ça qui est quand même énorme. Et pourtant, je n'ai rien fait. Bon, ça va s'accélérer, heureusement. Regardez-moi ça! Mais j'ai gagné! J'ai gagné! Mon Dieu! C'est tellement n'importe quoi! J'ai gagné, quoi! Oh mon Dieu! Ah bah bravo! Bon bah j'ai gagné une queue de phénix en plus! Hein, on voit, hein, c'est marqué numéro 2, là dans les prix, numéro 2, c'est marqué dans queue de phénix. Voilà, on aurait pu gagner une super potion ou une dent de feu. Honnêtement, je préfère la super potion, parce que c'est quand même beaucoup plus utile. Ouais, j'ai gagné. J'ai rien branlé, mais j'ai gagné. Super, tu peux échanger ton ticket en contre un objet ou en gold, ou en gold point. Bah, je vais prendre des gold points. Hein. Super, j'ai des gold points. Fantastique. Bon, on arrête les conneries sur les chocobos. On l'entraînera un peu plus tard parce que là... Bon, enfin, n'empêche. C'était une belle victoire. Alors... Allons dans le Wonder Square. Donc on avait vu qu'il y avait quand même quelques jeux ici. C'est intéressant. Surtout il y a des jeux qui sont déverrouillés maintenant puisqu'on on les a fait. En fait c'est simplement les mini-jeux pour... Là on a le sous-marin sur lequel je suis assez fort. On a vu les mog la dernière fois. Voilà, laisse-moi passer s'il te plaît, merci. Là où... La fortune, enfin le truc, la diseuse de bonne aventure, mais on va se refaire un moto G, qui est l'abréviation un petit peu de moto GP, mais bon. Allez, on va réessayer. C'est dommage qu'on puisse pas inscrire nos points. J'aimerais bien pouvoir avoir un truc comme dans les bornes d'arcade, vous pouvez mettre nos points. Et toi, dégage. Allez, on se concentre. Toi, au revoir. Alors, les oranges valent plus de points que les rouges. Hein. Hop. Allez, dégage! Hop, dégage, dégage! S'occuper d'abord du orange. Voilà. C'est marrant, les oranges, j'arrive à mieux alors. Ah bah si, j'ai mon record là-haut. Ah, voilà. Ah, ils sont hardcore! Oui! Double! Ça compte pas mal de points, ça faire les doublés. Ah merde, j'aurais pu faire un triple. Ça aurait été pas mal. Alors là, par contre, ça va devenir un peu plus chaud. Hop. Tac. Alors par contre, pour battre mon record, ça va être showtime. Et
Yeah! Non, non, là le record ça va être vraiment dur. Ça va être vraiment très très dur, ouais. Ah, je suis pas loin, hein, je suis pas loin. Je suis pas loin du record. Oui! Ah, on reçoit du gold point, ça c'est bon ça. Jeu de sous-marin! Ok, alors là. Là c'est assez. Là on va prendre le niveau 1 parce que le. La bataille de l'autre sous-marin, on l'avait déjà fait. Allez, allez, avance, avance, avance. Bon sang. J'avance là. Ah voilà, ça y est. Alors là, faut faire attention. Ouais, j'en ai eu un. Merde, je l'ai loupé. Ah bien, je l'ai eu. Hop là. Toi tu m'as loupé. Faire attention aux mines, hein. Les mines c'est mortel. Hop, loupé. Trop fort pour toi, mon pote. Il est coulé ou quoi? On dirait bien. On va chercher d'autres sous-marins. Alors les rouges comptent plus que les jaunes, hein. Loupé. J'ai une torpille à mes trousses. Tac. Là, 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 y en a un là. On se fera peut-être les différents niveaux de celui-là. C'est basiquement la même chose tout le temps, hein. Mais plus on fait des niveaux élevés, et bien sûr, plus on obtient de gold point, hein. Tac. Après, faut pas croire que c'est facile, hein, à utiliser. Alors, les carrés rouges que vous voyez, bien sûr, c'est les mines. Et ça fait très mal, les mines. Là, 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 on l'a. Yeah.
plein dans le cul. Mange mes roquettes. Donc ouais, on peut refaire la bataille de Junon, mais pas très intéressant en soi. Comme vous avez vu, de toute façon, ça dure quoi, 10 secondes. Là, je suis au max de la vitesse là. Est-ce qu'il y a encore... Est-ce qu'il reste des sous-marins? Ou est-ce que j'ai tout coulé déjà? Si j'avais tout coulé, normalement la partie serait terminée et je crois pas avoir déjà réussi à tout couler. Là, 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 là. Voilà, mission accomplie. Bon. Ça a pris quand même un peu de temps. Hein. 10 sur 10, impeccable. Ah, 45 504. C'est pas mal. C'est pas mal. Une belle victoire. Mais on peut faire mieux. Ouais, 20 gold points. Et j'ai reçu de l'encre. En sachant en plus que l'encre, alors je vais la retrouver quelque part par ici. Voilà, c'est ça. Alors c'est censé rendre les ennemis aveugles, sauf que ce statut ne fonctionne pas sur ce jeu. En tout cas pas pour les ennemis, il fonctionne pour les alliés mais pas pour, pour les ennemis. Allez, on recommence. On était au niveau 1. Oh les zous direct. Je suis comme ça, moi je suis un barjo moi. Hop. Là. Tac. Je t'ai eu. Loupé. Ah la vache, je suis en train de me suivre. Évitez de justesse. Voilà. Et toi, mon petit salaud. Viens par ici. Tac. Je me suis fait tirer dessus. Juste là, il est juste là. Et tac, il y en a juste là. Hop, on essaie de pas se prendre les mines. Croyez pas que c'est facile en me voyant jouer. Hein. C'est juste que j'ai pratiqué beaucoup du Ace Combat et ça se joue quasiment comme du Ace Combat. Enfin, pas les actuels, hein, les anciens.
les anciens escombat. J'ai loupé la cible. Bien. Bon, et c'est un peu plus difficile à dégommer. Ok. Où sont les derniers? Il en reste quelques-uns. Montrez-vous. Je vais vous avoir. Je vais vous choper. Capitaine de sous-marin virus. Va vous choper. Capitaine de sous-marin virus, le capitaine de sous-marin russe. Capitaine de sous-marin russe. Putain, j'arrive pas à savoir où ils sont. Bien cherché pourtant. Bien caché. D'accord, là-bas. Vu. Ah, cette manœuvre. Cette marche arrière, quoi. Bim. Ok. Vu. Ah ah. Pleine poire. Alors là, il rase le sol, je vais pas pouvoir le toucher. Couler. Ah oh tiens, là par contre je me suis pris une requête. Par contre je veux pas viser lui moi, je veux viser l'autre. Est-ce que je peux? Oui. Ah, il est bien dégourdi, le petit salaud. Yeah! Ouh! Mission accomplie.
C'est pas très compliqué en soi, mais voilà. Ah, 52 909. C'est plutôt pas mal comme point. Voilà, 20 gold points. Et une bombe TS. Cool. Alors, on peut gagner des gold points un petit peu partout, en fait, dans... dans le truc, Alors, ça, c'est hyper dur, ça. Allez, j'essaye. Non, pas assez fort. Toujours pas assez fort. Bon, bah on arrête là. Hein. Ça vaut pas le coup. Méga Sumo. Sanguine, c'est la partie. Allez, Zou. Lutteur Sumo. Plusieurs fois sur la touche rond. Prêt. Ouais, j'ai gagné. Super. Et maintenant, si j'essaye avec un lutteur, qu'est-ce que ça donne? Wouhou! J'ai gagné encore! Bon, autant jouer à Track and Field, là. Hein. Alors... Je vous ai pas montré, il y a la boutique aussi au Ghost Square. Une boutique de souvenirs au Ghost Square. Bienvenue, quoi qu'il arrive dans ce monde, l'hôtel fantôme sera toujours ouvert. Ouh, pour les réservations, adresse-toi à l'accueil. Monsieur Pendu. Et bienvenue. Donc voilà, donc on avait aussi moyen d'acheter des trucs ici. Et ça, je m'en achète une dizaine parce que... Fuck, quoi, j'en ai marre d'être d'être sous silence. J'en ai marre que les ennemis me mettent sous silence. Hop. Voilà, donc on a vu les chocobos, le round square. Est-ce qu'on a vu le round square? On a le battle square qui peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a déjà au round square? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, le speed square. Je vous ai toujours pas fait voir ça. Speed square, c'est super cool. Le speedquare, c'est super cool. Non, merde, t'as ressorti l'écran. Non, ça va le faire. Ouais, j'ai 65 GP à l'heure actuelle. Wouhou! Alors ça par contre, je vous montre, mais c'est juste super dur. Allez, c'est parti. Youhou. Oh la
la vache. ...40 points. Yeah, yeah. Ah. Ah. Super. Oh, je l'ai eu quand même. Super. C'est un genre de laser game, mais dans le... sur des montagnes russes. Et ça, je kiffe, quoi. J'aimerais tellement que ce soit... Putain, je l'ai pas eu. Ah, je me fais du point là. Je suis à 1070 points. Ah fuck. Wouhou. Ah la vache, bouge vite les salauds. Ah, je l'ai eu. Ah, bouge pas assez vite. Quand on connaît bien par cœur le truc. Oh. Hop. Quand on connaît bien par cœur le parcours, par contre, on peut se faire des trucs de folie, quoi. Là, c'est le boss. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça m'aura rapporté mais tellement de points. Et voilà. Ton score est de 2400 points. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec 2400 points? Wouhou! Tu recevras un prix si tu obtiens plus de 3000 points. On fera ça une autre fois, les 3000 points. Hi Nico, welcome! Ouais, voilà, le round square c'est quand même assez énorme. Ça pète pas mal. On a le battle square, le battle square. Le battle. Battle square. J'ai personne comme ça dans ma vie. Si quelque chose se passe, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle je travaille maintenant. Oh, pardon, non, blablabla. Oui. Veux-tu t'inscrire pour le combat? Les droits d'inscription s'élèvent à 10 épées. Ok, on va essayer. C'est un combat univoque.
Tu peux participer à un maximum de 8 combats. Tu dois savoir que plus tu participes à des combats, plus les handicaps sont importants. Blablabla. On l'avait déjà fait, on avait perdu. Mais bien comme il faut. Yep. We've done it before. Ah, c'est con, j'aurais dû recharger ma... Bon, de toute façon, on va pas aller très loin. Toc, un petit coup de régène. Alors là, par contre, il va être super lent. Hein. Edin. Et de deux. Ah non, foiré. Raté. C'est pas fini. Donc je suis tombé sur les pires ennemis qu'on puisse avoir au tout début. Ceux qui ralentissent. Et là, je suis ralenti pour toute la durée de l'arène. Je pense qu'on va se faire deux ou trois combats. Génial. Alors, il faut que je me batte maintenant. Ah, mais non, c'est vrai. J'avais le ruban. Par contre, si je me prends un accessoire cassé, là, je suis dans la merde. Barrière magique, ça, on s'en fout. Barrière magique, vas-y, continue. Puisque je t'attaque de toute façon physiquement, on s'en fout. Yep, allez Nico, allez. Donc ce que Nico me dit actuellement, c'est que le combat peut être vachement difficile en fait dans les dernières phases. Et effectivement, et comme de toute façon j'ai dit qu'on n'irait pas plus loin que deux ou trois combats, c'est uniquement pour, voilà, pour le challenge un petit peu. Mais là, de toute façon, dans tous les cas, on est vraiment trop mal équipé pour faire quoi que ce soit. Hein. Allez, dégage! Team Hazard. Bim. Allez, dernier combat. Baisse de 5 niveaux. Oh, ça va être relou. Ah mais non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai le ruban. C'est n'importe quoi, ça, cet équipement. C'est vraiment n'importe quoi, cet équipement. Oui, bah, tu peux toujours tenter.
Faut savoir que le ruban, c'est quand même quasiment indispensable pour se battre ici. Ah, j'ai dit que ça serait le dernier combat, mais bon, ça se passe bien. On s'en refait un juste après. Ah, loupé. Loupé. Ça, c'est mauvais. Aha! Encore une attaque! Encore une attaque, elle est KO. Allez! Dernier combat. Armure cassée. Alors là, ça craint, là. Contre Tayad. Super, ce qui fait qu'il m'en reste plus qu'un sur le combat. Nombre de points actuels 56. C'est honnête. C'est honnête. 56 battle points. Ah, il faut savoir aussi qu'on peut les revendre, les mouchoirs. 56 points. Ouais, on va les échanger maintenant. Ah bah, d'accord. Bah, de toute façon. Invocation W, ça aurait été pas mal. Mais cela, je coûte quand même 3200. Non, 32000, pardon. Tes points de combat ne sont plus valables. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave pour 56 points, on va pas hurler. Bien. On a fait le tour à peu près, hein. Je pense qu'on a fait le tour. On a été Chocobo, Wonder Square, Battle Square, le Ghost Square, on l'a fait, le Round Square aussi. Non, pardon, le Round Square, on l'a pas fait, mais c'est logique, puisque le Round Square, en fait, il s'agit simplement de la grande roue. Et l'Event Square, on l'avait déjà fait la dernière fois.
Voilà, on s'est bien marré. C'était un petit épisode, une petite partie comme ça, juste pour délirer entre nous. Tac. Et puis pour se détendre, avant de reprendre les combats, les vrais fights, les vrais... La vraie histoire du jeu. On n'a pas fait ça pour rien, puisqu'on a quelques gold points, pardon. Comme ça, on a pu aussi un petit peu voir, voilà, ce qu'il y avait à faire au Gold Saucer. On va pouvoir y retourner, justement, au Gold Saucer, un peu plus tard, si on veut, par exemple, s'apprivoiser des chocobos et avoir des chocobos de meilleure qualité, on pourrait y retourner. Pour le moment, ce qu'on va aller faire, surtout, c'est remettre ce chocobo dans son enclos. Tac. Et voilà. Et Mario est dans son enclos désormais. Juste là. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est acheter des légumes. Tac. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'aimerais nourrir Mario avec des légumes. Tac. Voilà, ça va lui faire augmenter un petit peu ses caracs. Super. Donc il est plus rapide désormais. Donc ça veut dire que quand on retournera au Gold Saucer, eh bien Mario sera désormais plus rapide, mais pas moins con. Pour ça, il faudra que j'aille voir vite fait sur la page justement qui traite des chocobos. Ça, je vous encourage, si vous jouez à Final Fantasy VII, je vous encourage vivement à aller regarder. Sinon, vous allez passer des heures à farmer des gills et à essayer tous les légumes possibles pour essayer de faire augmenter les caracs de votre chocobo. C'est honnêtement pas du tout... c'est pas du tout conseillé, quoi. Allez regarder, au moins vous saurez à quoi sert vos légumes. Et où est-ce que vous pouvez acheter chaque légume. Toujours est-il que, même s'il n'est pas tout à fait l'heure, j'estime qu'on a, fait un bel épisode. Faut pas non plus faire des... Faut pas non plus faire des lives trop longs, hein, voilà, on va éviter. Surtout que là, c'était un live, un petit live détente, entre guillemets, hein, sur Final Fantasy VII, voilà, pour faire un entracte entre maintenant et la suite qui va vraiment s'enchaîner. On aura peut-être l'occasion de refaire 2-3 allers-retours comme ça au Gold Saucer et de se faire quelques petites quêtes annexes. Mais là, on va commencer vraiment à rusher la fin du jeu. Donc, on approche très vivement de la fin de Final Fantasy VII. En tout cas, moi, pour ce soir, je vous remercie d'avoir suivi ce live de l'Epicness sur Final Fantasy VII. Déjà, on va HPMP restaurer. Voilà. On va donner des éléments, dont des hyper, qu'il va falloir que je rachète d'ailleurs, hein, j'en ai plus beaucoup. Hein.
Parfait. Et on va enregistrer notre délicieuse sauvegarde dans la fente numéro 2. Voilà. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein, mais vraiment plein de gros bisous. De vous dire merci d'avoir suivi ce live, de vous donner rendez-vous non pas demain mais lundi puisque demain je ne serai pas là. Wouhou! Voilà, juste pour donner un ordre d'idée, voilà, demain je vais aller visiter de la famille, donc je ne serai pas là. Je vous remercie beaucoup, on se dit donc à lundi et ciao, bye bye, très bonne soirée à tout le monde. Surtout n'oubliez pas, hashtag amour viril, yeah! A plus tout le monde.